fais de l'événementiel et de la décoration, parce que c'est une passion depuis que j'étais toute petite. Donc, j'ai commencé par venir à la boutique de gestion en entendant parler par la télé, les médias et les journaux. Je suis venue voir dans un premier temps. J'ai fait un dossier pour avoir une subvention pour m'aider à la création. Mon dossier n'est pas passé. On m'a proposé de me mettre sous couveuse. Donc, j'ai accepté. Je suis partie en couveuse avec Willy. Le 15 septembre 2010, j'ai commencé. C'était pour 6 mois. La boutique de gestion existe depuis 1999. Elle accompagne les personnes qui souhaitent créer une entreprise, de l'étude du projet au chiffrage du projet jusqu'à la création, et puis elle fait un suivi sur 3 ans. Donc la couveuse d'entreprise, elle permet aux personnes de tester leur activité avant de créer, avant de procéder à l'immatriculation de l'entreprise et vraiment de devenir patron. Donc nous, notre rôle, c'est d'accueillir les personnes, d'étudier leur projet, de voir si ça peut se faire. Donc dans ce cas-là, on les accompagne si le projet présente quelques soucis de faisabilité ou bien si la rentabilité n'est pas vraiment apparente. On peut les orienter vers la couveuse dans la mesure où elles maîtrisent leur projet. Alors l'intérêt de l'appel à projet d'homme création, c'est que tout simplement ça a permis de pouvoir démarrer la couveuse d'entreprise à Mayotte, puisque c'est un dispositif qui n'existait pas. Donc ça nous a permis à la fois de travailler au préalable sur tout ce qui devait être mis en place, et puis après d'enclencher le travail de la couveuse et d'accueillir les premières personnes. En plus, nous réellement, ce qui était intéressant, c'est que ça a été un dispositif qui était commun entre plusieurs territoires présents en Outre-mer. Donc l'intérêt d'une réponse commune à l'appel à projet, c'est que tout simplement, ça nous a permis aussi d'échanger sur les difficultés, mais aussi sur les leviers que l'on pouvait mettre en place, de mutualiser différents outils, et donc vraiment de continuer d'aller de l'avant concernant la mise en place du dispositif d'homme création au sein des territoires. Avant d'organiser un événement, je prends rendez-vous avec la couveuse d'entreprise, avec Willy, notre conseiller qui nous suit. On parle de l'événement en amont, on voit toutes les difficultés, les conséquences, on voit les atouts et on essaye d'éviter catastrophe en gros. Il y a ça. Et après l'événement, on prend encore un autre rendez-vous pour faire le point et voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, afin de pouvoir l'éviter dans les prochains événements que je vais organiser. Sans la couveuse, je pense que je me serais lancée comme ça, sans avoir les difficultés, sans avoir quelqu'un à côté pour me soutenir, parce que c'est vrai, il y a ma famille et mes proches qui me soutiennent, mais c'est pas pareil avec la couveuse d'entreprise, parce qu'avec la couveuse, déjà on a les formations, il y a des formations que j'avais pas, que je connaissais pas, il y a certaines démarches que je connaissais pas, j'ai appris avec la couveuse, donc en gros, sans la couveuse, je pense que je me serais plantée au bout de quelques mois et je serais pas... J'aurais pas en fait une bonne vision d'une créatrice d'une entreprise, quoi. Alors concernant l'appel à projet, tout l'intérêt c'est que ça nous a permis réellement d'apporter un dispositif qui manquait à Mayotte, puisque justement la couveuse d'entreprise est un dispositif qui n'existait pas. Il y a des structures qui font de l'accompagnement avant la création et après, mais voilà, sur le schéma de la création d'entreprise, rien n'existe entre les deux à Mayotte. Donc l'intérêt, c'est que non seulement on répondait à une demande qui pour le moment ne trouvait pas de réponse, et en même temps, l'intérêt, c'est que tout simplement, au niveau des jeunes créateurs d'entreprise, ils y trouvent un intérêt, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement rapproché, individualisé, de bénéficier de formations, ça les rassure dans leur projet de création d'entreprise et dans leur souhait de partir sur cette création. Donc tout l'intérêt justement de la couveuse d'entreprise, c'est qu'elle puisse continuer d'exister à Mayotte, puisque la demande est bien présente et j'irais même la demande se développe aussi par rapport aux jeunes.
Pedi un amor, pedi un amor.